Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la prostitution. Considérée comme le plus vieux métier au monde, la prostitution est depuis longtemps vue comme un travail dévalorisant. Elle existe et continuera d'exister en dépit des interdictions et des statuts illégaux. Pour des raisons comme la pauvreté ou des situations imprévues, certains pays choisissent d'interdire purement et simplement la pratique. Tandis que d'autres ont essayé de réglementer la prostitution en offrant ainsi aux travailleurs de sexe des avantages sociaux et de santé. En voici les 15 pays qui ont légalisé la prostitution. Si tu es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! La Nouvelle-Zélande, la prostitution est légale pour les Néo-Zélandais depuis 2003. Il existe même des bordels agréés qui fonctionnent selon les lois sur la santé publique et l'emploi, ce qui signifie que les travailleuses reçoivent des avantages sociaux comme les autres employés. Certainement un mouvement progressif. L'Australie, le statut juridique de la prostitution dans sept pays diffère d'un État à l'autre. Il est décriminalisé dans certaines régions et illégal dans d'autres régions. L'Autriche, la prostitution est complètement légale en Autriche. Les prostituées doivent s'inscrire, subir des examens de santé périodiques, avoir 19 ans ou plus et payer des impôts. Malgré cela, il y a beaucoup de contrebande et de prostitution forcée. Le Bangladesh, la prostitution masculine est illégale, mais tout le reste est légal. Le Bangladesh connaît un grave problème de trafic mineur, perpétué par la corruption. Posséder un bordel est également légal. La Belgique, ils ont essayé de faire disparaître la stigmatisation, la violence et la peur associées à la prostitution en ne se contentant pas de la légaliser, mais aussi de gérer des bordels à la fine pointe de la technologie avec des empreintes digitales et des cartes magnétiques. Le Brésil, la prostitution en elle-même est légale. Le Canada, se prostituer soi-même est légal. Mais l'achat de sexe est devenu légal à la fin de l'année 2014. Ce système profondément défectueux place les travailleuses de sexe dans une position très dangereuse. La Colombie, il est légal de travailler dans l'industrie du sexe en Colombie, bien que le proxénétisme ne le soit pas. La prostitution est particulièrement répandue dans des villes comme Cartagène et Barranquilla. Danemark, la prostitution est légale. Le gouvernement aide même les personnes handicapées à se faire coucher en encourant les coûts supplémentaires que certaines d'entre elles doivent payer. L'Équateur, tout ce qui touche au travail sexuel est légal. Vous pouvez vendre votre corps, diriger un bordel ou être un proxénète sans ramification juridique. La prostitution forcée est un peu un problème cependant. La France, la prostitution est légale en France, bien que la sollicitation en public soit toujours interdite. Le proxénétisme est illégal et les maisons closes ont été déclarées hors la loi en France en 1946, juste après la guerre. L'Allemagne, la prostitution a été légalisée en 1927 et il y a des maisons closes dirigées par l'État. Les travailleuses sont couvertes par une assurance maladie, doivent payer des impôts et reçoivent même des prestations sociales telles que des pensions. La Grèce a également suivi la méthode allemande consistant à inclure la prostitution comme un travail réel dans la société. Les travailleuses de sexe obtiennent des droits égaux et doivent souvent faire des bilans de santé. L'Indonésie, considérant que la prostitution elle-même n'est même pas présente dans leur loi sous une forme claire, il est clair que le commerce de sexe est légal. Cela signifie également qu'il est très dangereux pour les travailleuses forcées et les mineurs. Les Pays-Bas, c'est l'un des endroits les plus célèbres pour les travailleuses de sexe, la prostitution est, évidemment, légale, comme beaucoup d'autres choses. Ils ont toujours eu une façon un peu plus ouverte de traiter des choses jugées taboues ailleurs.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo.